Dans l'activité numéro 2, on va imaginer le cercle de centre O et de rayon OA, c'est-à-dire un cercle qui a comme centre O et qui passe par A, et on va essayer d'éliminer tous les points qui ne sont pas sur ce cercle. Alors, on va commencer par le faire en imaginant le cercle, et ensuite on le trace pour vérifier. Je te laisse faire, on se retrouve après la pause. Alors, qu'est-ce que tu as barré ? On va barrer ceux qui ne sont certainement pas sur le cercle. Tu vois, B, il a l'air trop loin. B, il a l'air trop loin. C, carrément trop loin. Celui-ci, carrément trop loin. E, c'est possible. F, il me paraît bien près. G, je ne sais pas. H, il me paraît plus éloigné. J, je ne sais pas. K, il me paraît trop proche. De O, je barrerai également peut-être N. P ou Q, je ne sais pas. Le T me paraît bien près. Voilà, j'en ai barré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va vérifier maintenant en traçant et on va éliminer les derniers points, les points qu'on avait oubliés. On va servir du compas pour tracer. On trace le cercle et on regarde ce qui se passe. Alors, E, il est sur le cercle. J, il y est aussi. L, il y est. J'avais oublié de barrer G, de barrer M, de barrer Q, U et R.